Amis, et on est de retour pour la dernière minute du Kinti de Yamna. Alors, mes amis, on est pour la dernière minute. Je vous fais, attendez-vous, 1 minute. Je vous fais le meilleur pronostic pour la dernière minute. Bon, hier, je vous donnais une très bonne base déjà. Oui, une très bonne base. C'est celui-là qui va retourner apprendre dans mon vidéo. Les 4 de base ou 5 de base, elle rajoute avec la pépite du jour. Voilà. Alors, moi, les amis, je veux choisir la meilleure pépite du jour après la deuxième étude. Hier, j'avais donné dans ma base le 7, le 8, le 10, le 4 et le 14. Après, il y a les autres pour finir 7 chevaux. Alors, le 7, le 8, le 10, le 14, vous les gardez toujours. Alors, après, avec les 3 autres, parce qu'ils sont bons, c'est le 4 et le 3 et le 16 que j'avais donné dans la vidéo d'hier, la vidéo pour aujourd'hui de pronostic. Ils sont bons aussi. Mais si vous voulez acheter un ticket avec les pépites de genre, parce qu'ils sont sympas, il va payer vraiment. Celui-là qui va ramener une plus longue ou celui-là qui va jeter un deuxième ticket. La pépite de jour, c'est le 2 et le 9. Le 2 et le 9, la pépite de jour. Première pépite pour moi, le 2. Deuxième pépite, c'est le 9. En tout cas, dans la base, je suis plus sur le 1 et le 14. Déjà, celui-là qui va faire une bonne base. 1, 14, 7. C'est la meilleure base. En 14-7, celui-là qui va faire les 3 de base, il rajoute derrière le 2, le 9 et le As. Le As, à mon avis, sera dans le gagnant au placé. 14 As, ils sont dans les 3 premières. Celui-là qui va faire un petit couplet où il va jouer simple gagnant placé. Vraiment, je trouve le As, il peut même gagner. Et pas même gagner un peu de chance et peu sera d'aller gagner. Mais en tout cas, je suis sur le As, les 3, elle est dans les 3 premières. Et le 14 aussi, dans les 3 premières. Voilà, celui-là qui va faire un petit couplet ou un tiercé, ben, elle ramène le As et le 4. Ou un petit couplet gagnant placé ou un 2 sur 4 à 3 euros. Alors, mes amis, je le dis. Ma base d'hier, de ticket de Quinté, celui-là qui va aller voir, elle retourne. Ma base d'hier, c'est le 7, le 8, le 10 et le 14. Je répète, le 7, le 10 et le 14. Après, celui-là qui va rajouter la pépite du jour. Elle rajoute le 2, le 9 et le As. Le As, je l'ai déjà dans le Quinté d'hier. Je l'ai déjà donné dans le truc dans le ticket à 7 chevaux. Celui-là, par exemple, quelqu'un va lever le 16 ou le 3. Il rajoute le. Oui, il a déjà fait un ticket comme ça à 7 chevaux. Il rajoute le 9 et le 2. Mais le As et le 14, je suis sûr qu'ils sont dans les 4 premières. Celui-là qui va jouer un couplet, un gagnant placé ou un simple gagnant placé, c'est le As et le 14. Voilà, mes amis, je crois que je vais finir avec vous aujourd'hui la vidéo de la dernière minute. Et je vous souhaite une très, très, très bonne journée avec beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et un grand gain aujourd'hui. Hein. Ok, mes amis, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine. Et j'espère à bientôt. Vous n'oubliez pas, likez et abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et vous donnez à votre ami qui joue, à partager à votre ami les joueurs, comme voilà, les jeunes qui jouent pas, non. Même pour le week-end, celui-là qui tente un bon ticket, ou beaucoup de monde qui tente de la semaine un petit couplet ou un simple gagnant placé. Ben alors, pour moi aujourd'hui, c'est le 1 et le 14. Après, il y a le 7 aussi. Le 1, 14, 7 en général, ils sont dans les 4 premières. Bonne chance à tout le monde et beaucoup de gagnants. À bientôt, vous n'oubliez pas le As gagnant placé. Au revoir.